Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maxime Battendeo, le directeur marketing et communication de l'Institut Open Diplomatie. Pour toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct de la Maison de l'Europe pour les rencontres du développement durable. Avec aujourd'hui la journée consacrée à bâtir des villes durables, co-organisée par l'Institut Open Diplomatie et l'INSA de Lyon. Bonjour Najat Valo Belkacem. Bonjour. Euh, vous, en 2003, c'est localement à Lyon que vous entrez dans la vie politique, puis sous la présidence de François Hollande, on peut dire que tout s'est accéléré. Vous êtes d'abord nommé ministre en charge des droits des femmes euh, et porte-parole du gouvernement de 2012 à 2014, avant de devenir la première et la seule à ce jour euh, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche entre 2014 et 2017. Actuellement, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous dirigez la collection Raison de Plus qu a, que vous avez créée au sein de la maison d'édition Fayard, vous présidez le conseil stratégique de la fondation Tent Partnership for Refugees, qui mobilise les entreprises privées pour aider à l'inclusion économique des réfugiés, et vous êtes la directrice France de l'ONG One, une ONG qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables depuis mars 2020. Est-ce que tout ça est exact Parfaitement. <laughs> Alors, éducation, extrême pauvreté, égalité entre les femmes et les hommes, santé. C'est à peu près les cinq premiers objectifs du développement durable. On peut dire que vous avez les objectifs du développement durable chevillés au corps et que ça transpire dans votre engagement et dans vos combats. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Pour ce grand entretien, nous allons tenter de penser le monde d'après à travers la matrice de pensée des objectifs du développement durable. Alors, première question, Najat Valo Belkacem, c'est quoi pour vous le développement durable? Est-ce que c'est plutôt un concept économique, environnemental, social Le développement durable, enfin, la définition est assez commune, n'aimant partagée. C'est euh, finalement être capable de répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Une fois qu'on a à peu près cette définition en tête, en effet, euh, la question qu'on peut se poser, c'est du coup, c'est quoi le principe matriciel euh, duquel va découler tout le reste. Et c'est vrai que j'ai plutôt envie de vous répondre qu'à ce stade de nos connaissances, c'est vraiment peut-être la question écologique qui est la question absolument matricielle. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer les choses, depuis maintenant euh, 72, euh, on nous alerte sur le fait que euh, les ressources euh, de la planète ne sont pas suffisantes pour... Euh, que notre mode de vie soit soutenable. Euh, donc, toute la question, c'est comment on fait en sorte que euh, ce mode de vie devienne plus soutenable. Et je crois qu'il y a eu une espèce de, de brouillage des esprits parce que on a le sentiment, notamment dans les pays du Nord, et c'est là que je vais en venir à la vision internationale, qu'on a néanmoins pas mal amélioré les choses, qu'on on pollue moins, qu'on mange plus bio, etc. En fait, la vérité, c'est que comme on consomme toujours autant, voire beaucoup plus, euh, on va y revenir dans un instant. Euh, en fait, on a délégué une part croissante de notre production de pollution au sud, euh, mais à l'échelle mondiale, euh, les choses ne s'arrangent évidemment pas. Donc, en fait, très vite, vous en venez à la question aussi des inégalités par définition, puisque je viens de dire que les productions et donc les effets, l'empreinte écologique sur les territoires, ça va se faire davantage au sud la hausse des niveaux de vie, la hausse de la consommation, ça va se faire davantage au nord. Donc on en vient très vite à la question sociale et à la question économique. Mais je dirais vraiment que encore une fois le principe matriciel, c'est l'écologie et donc ce qu'il nous faut faire et c'est ainsi que je définis le développement durable, c'est d'une part accepter les limites de la terre. Oui, il y a des limites naturelles de ressources biologiques de la terre et deuxièmement, réduire notre empreinte sur cette terre. Euh, et une fois qu'on a dit ça, eh bien, euh, le chemin qu'il faut prendre pour y arriver doit être le chemin qui, euh, euh, non pas, fasse exploser le chômage, parce que certains, finalement, euh, pourraient aller dans, dans ce sens, euh, à ne pas suffisamment réfléchir aux conséquences économiques et sociales de ce qu'on est en train de faire, mais un chemin, au contraire, qui crée euh, par euh, millions des emplois qui soient euh, socialement euh, utiles et euh, écologiquement soutenables. Et donc je pense que en fait, le vrai sujet pour les responsables politiques aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce chemin-là. À ce triptyque écologie, économie et sociale, puisque c'est vrai que tout est en, en briquet. Euh, et je crois que euh, les, les États membres des Nations Unies, ils ont euh, accepté ce constat. Euh, lorsqu'en 2015, ils, ont, euh, ils se sont dit que finalement les objectifs millénaires de développement qui avaient été, qui avaient été fixés en 2002 ne comprenaient pas suffisamment cette, par, cette partie écologique et qu'il fallait euh, ajouter euh, toute cette dimension environnementale. Alors les, ces, ces 193 États membres, ils, ont, ils se sont fixés, euh, puisqu'ils sont ambitieux, euh, 17 objectifs qu'on décline en 169 cibles. S'il y en avait un que vous deviez choisir, ou en tout cas, dont il vous semble le plus prioritaire, quel serait-il euh, Ça a l'air d'être une question finalement simple comme ça. Euh, elle n'est pas si simple, parce qu'on peut aussi, et moi au cours de ma vie et de ma réflexion sur ces sujets-là, j'avoue que j'ai aussi. Euh, il m'est apparu parfois que, par exemple, c'était l'éducation qui était le levier numéro un, donc l'objectif éducation ou la santé. Bon. Après avoir mûrement réfléchi tout cela, je dirais qu'en fait tout procède de la question de la pauvreté. Parce que le problème, c'est que euh, c'est parce que vous êtes pauvre que euh, vous avez euh, tant de probabilités de mourir d'une maladie que pourtant on sait éviter euh, avant l'âge de, euh, de 5 ans, pardon, parce que vous n'avez pas eu accès. Accès aux vaccins contre la tuberculose ou la malaria ou que sais-je. C'est parce que vous êtes dans l'extrême pauvreté que, évidemment, vous n'avez pas accès à l'éducation ou que même les familles, à la limite, préfèrent que leurs enfants travaillent jeunes pour subvenir à leurs besoins plutôt que de les envoyer à l'école. C'est parce que vous êtes dans l'extrême pauvreté que que euh, bah, finalement la question de la démocratie euh, vous paraît très très lointaine parce qu'en fait tous les jours vous êtes mobilisé sur la nécessité de trouver des ressources pour vous alimenter et pas sur ces grandes aspirations que peuvent être une vie politique. Euh, euh, vertueuses, etc. Euh, c'est parce que évidemment vous êtes dans l'extrême pauvreté que la corruption euh, ou tout simplement les crises, les tensions qui aboutissent à des guerres euh, s'installent. Donc vraiment pour moi le sujet numéro un de notre monde et c'est pas un hasard si j'ai pris cette, euh, la direction de cette ONG qui est une ONG donc de lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Euh, le sujet numéro un c'est euh, sortir de l'extrême pauvreté, les euh, quelques 9 millions de... Enfin, pardon, les quelques 9%, j'étais en train de me dire non, c'est plus. 9% de la population mondiale qui y vivent aujourd'hui. Euh, et c'est faisable en réalité. Je rappelle que l'extrême pauvreté, c'est de vivre avec moins de 1,90 1 ou 1,70 par jour. Donc, c'est faisable, on sait le faire. Pour mémoire, en 1990, on avait 30% de la population mondiale qui vivait dans cette extrême pauvreté. Aujourd'hui, on est à 9%, je le disais. Malheureusement, le Covid-19 et ses conséquences économiques aura eu pour effet d'en augmenter le nombre, on le sait bien. Mais enfin, on voit bien qu'on est passé de 30% à 9%. C'est faisable en adoptant des bonnes politiques qui vont à la fois de l'aide publique au développement, par exemple, de la part des pays riches vers les pays pauvres, de l'investissement du secteur privé dans des secteurs qui soient profitables pour la population, c'est-à-dire à la fois les infrastructures, mais aussi les secteurs sociaux, la santé, l'éducation. Enfin, et surtout, dans toutes ces démarches que l'on fait pour sortir les populations de l'extrême pauvreté, qu'on soit nourri des leçons qu'on a tirées ben, de notre propre révolution industrielle, de tout ce que ça a causé comme impact sur notre environnement, et donc qu'on ne recommette pas les mêmes erreurs, d'où la nécessité de faire très attention aux industries extractives, euh, euh, à tout ce qui est énergivore, et de veiller à ce que la croissance euh, là-bas qu'on essaye d'installer et de soutenir soit d'ores et déjà vertueuse sur un plan écologique. Mais dans un essai que vous avez sorti, je crois, au début de cette année, qui s'appelle Objectif 2030, comment mettre fin à l'extrême misère, vous avez tenté aussi de décliner des réponses, enfin, d'identifier des réponses qu'on pourrait apporter. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Et je vais, je vais en profiter pour ajouter une question dans la question. C'est que l'économiste Jeffrey Sachs qui a travaillé à la Banque mondiale, il estime à 175 milliards ce qu'il faudrait dépenser annuellement pour éradiquer la, la, la pauvreté, l'extrême pauvreté. Pourquoi alors que ça ne représente que simplement 10% du PIB, soit à peu près moins du PIB de la France, soit à peu près moins que ce qu'on a mis pour régler et gérer la crise Covid, pourquoi ça traîne D'abord, c'est extrêmement important, euh, comme sur tout le sujet des objectifs du développement durable, de faire ce que vous venez de faire, c'est-à-dire de rappeler des chiffres. Parce que, en fait, je pense qu'on a un problème dans nos opinions publiques et donc chez nos décideurs aussi c'est une insuffisante appréhension des ordres de grandeur. Parfois, on se dit, euh, oh là là, on entend dire que pour financer euh, un peu plus euh, COVAX, euh, l'organisme, vous savez, qui veille à la distribution des vaccins contre le Covid-19 dans les pays les plus pauvres, il faudrait rajouter ici ou là 5 milliards de dollars ou 10 milliards. Et on se dit, mais c'est des montants énormes, parce qu'on a du mal à appréhender les chiffres. Mais en fait, 5 milliards ou 10 milliards de dollars pour sauver des vies, donc par rapport à quoi en fait, par rapport à quoi on juge de ce montant et, euh, et c'est marrant parce que j'en discutais avec, euh, avec un économiste très récemment. Et euh, on évoquait par exemple euh, un ordre de grandeur qui est intéressant à prendre comme comparaison. Savez-vous quel est le montant d'argent qui, qui est dépensé aux États-Unis au moment d'une campagne présidentielle Juste euh, comme ça, en interne, euh, aux États-Unis, entre les différents partis politiques, euh, euh, leur primaires, euh, leur élection, euh, le recours à des consultants divers et variés. C'est. De 15 milliards de dollars. Donc maintenant, comparons les deux chiffres. Quand on vous dit mettons 5 milliards de dollars supplémentaires à l'échelle planétaire pour aider à vacciner je ne sais combien de, 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 de centaines de millions de personnes dans les pays d'Afrique qui pour l'instant n'ont pas eu les vaccins, comparez ça, ça coûtera 5 milliards, comparez ça aux 15 milliards que coûte voilà, juste une espèce de déperdition d'énergie complètement folle qui n'est même pas vertueuse pour la démocratie américaine, vous le savez bien, qui la polarise à fond au contraire hein, et qui pose même des problèmes potentiellement de, de, de montée du populisme. Comparons ça à ces 15 milliards. Donc je, je, je pense que reprendre conscience des ordres de grandeur aide à comprendre qu'en fait, mettre fin à l'extrême pauvreté, ça coûte pas cher. Aussi étrange que ça puisse paraître, et quand, en tout état de cause, même si ça coûtait cher, c'est pas simplement euh, de la vie, de la sécurité, euh, de ce qu'on cherche à sortir de cette extrême misère qu'il est question. Il est aussi question de nos vies, de nos sécurités au Nord, dans les pays dits riches. Mais dans un monde qui ne connaît pas de frontières, on l'a bien vu avec la pandémie, par exemple la pandémie Covid-19, si on est incapable de l'éradiquer véritablement aussi au sud, elle nous revient sous forme de variant au nord. Et donc combien faudra-t-il de boosters, de doses de vaccins pour y mettre véritablement fin Donc en fait, aujourd'hui, je pense que l'opinion publique prend de plus en plus conscience de l'interconnexion totale de nos sociétés et de nos pays. Euh, à la charge des pouvoirs publics de lui donner à voir que l'argent qui serait nécessaire, en effet les 75 mi milliards euh, par an pour mettre fin à l'extrême pauvreté, vous vous rendez compte Bah ben, en fait c'est pas grand chose. Et ce continuum de, de Zambèze à Corrèze. Qui fait que euh, ce qui se passe euh, au Sud, ce qui se passe en Afrique, enfin, moi je suis, né, je suis né au Togo, donc euh, je vois bien le lien qu'on peut avoir euh, euh, entre, euh, entre des politiques qu'il va y avoir au Nord et des politiques au Sud. Comment on va faire finalement pour mettre euh, ces questions-là, euh, de protection de l'environnement, d'éradication de la fin de la pauvreté, dans une campagne présidentielle qui. Si on, on, on peut avoir l'exquise pudeur de se dire que l'agenda 2030, ce n'est pas ce qu'on qu va voir sur BFM TV, sur l'ensemble des, des chaînes d'infos, comment on fait aujourd'hui pour arriver à ce que ces préoccupations, enfin ces, ces enjeux qui, qui s'imposent comme les préoccupations les plus importantes pour les, pour les Françaises et les Français, ça prennent plus de place dans la campagne présidentielle alors, euh, clairement, on partage le constat, <laughs> on n'est pas bien parti pour avoir malheureusement ce type de débat pourtant tellement précieux sur, euh, sur les chaînes euh, aux heures de grande écoute. Euh, et pourtant, la seule chose qu'on puisse faire, c'est vraiment euh, le réclamer en notre qualité de citoyen, le réclamer à la fois aux médias qu'on consomme et aux hommes et aux femmes politiques. Si j'avais, moi, une recommandation à faire, mettons, à un homme ou une femme politique qui voudrait vraiment prendre le sujet à bras le corps et qui comprendrait qu'en fait, c'est l'enjeu numéro un que d'expliquer à notre société, à notre opinion publique, qu'on doit aller vers un développement durable et que c'est dans notre intérêt. Je dirais que d'abord, il faut vraiment de la pédagogie. On a vraiment besoin de pédagogie. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les grandes masses financières, à quoi ça correspond si on les compare les unes aux autres, eh bien. Par exemple, moi je suis frappée de voir que assez peu de gens se rendent compte euh, du fait qu'on euh, a connu une croissance de l'activité économique euh, dans notre monde, dans nos sociétés, absolument mais considérable euh, depuis des décennies et des décennies. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, là, si ça continue à la fin euh, du siècle qui est le nôtre, on produira 200 fois plus qu'en 1950. 200 fois plus. Donc la question, pour revenir à votre question de la planète, la soutenabilité, etc., c'est est-ce que vraiment notre planète a les ressources, les moyens de rendre cette de la croissance de notre production soutenable. Et puis, est-ce qu'elle a même les moyens d'absorber les déchets, la pollution que tout cela crée Donc ça, déjà, avoir un ordre d'idée du fait qu'on a cessé d'augmenter de, 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 notre croissance. Deuxièmement, un ordre d'idée de ce que euh, la population mondiale aussi n'a cessé d'augmenter. Moi, j'étais en train d'y réfléchir. Vous savez que quand mes enfants auront mon âge à peu près, ou disons 10 ans de plus, donc en 2060, eh bien, euh, on sera à 10 milliards d'individus sur Terre, là où lorsque ma grand-mère avait à peu près mon âge, mettons en 1930, on était à 2 milliards. Donc c'est quand même, enfin, je veux dire, on, je, je suis pas sûr que tout le monde se rende bien compte de la progression démographique qu'on a connue, considérable. Et là encore, la soutenabilité, les ressources de la nature, etc. Dans un contexte où, dans les pays du Nord et les pays les plus riches, euh, les niveaux de vie n'ont pas cessé d'augmenter. Ils ont euh, tout le temps augmenté. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est ça qui crée de l'extrême pauvreté ailleurs. Puisque les ressources sont limitées et que la population augmente en permanence, par définition, ça n'existe pas euh, de faire augmenter le niveau de revenus euh, de 9 milliards actuellement euh, d'habitants, d'individus, euh, avec des ressources naturelles limitées. Donc, en fait, par exemple, cette pédagogie, elle doit euh, conduire à se poser les bonnes questions pour l'opinion publique et se dire ouais, non, en fait, il y a un problème, ça coince. Et puis ensuite, je pense que c'est très important pour les responsables politiques de reconnaître aussi l'échec. Euh, des pouvoirs publics, euh, que ce soit euh, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par le passé, mais la vérité, c'est que ni Kyoto, ni, euh, 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 ni Copenhague, ni, ni, ni même encore pour l'instant l'accord de Paris n'ont vraiment abouti aux résultats qu'on aimerait euh, voir. Et notamment pour ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est qu'en en fait, une partie a été... Euh, euh, Délégués euh, du Nord vers le Sud, euh, que vous avez toujours de grandes industries, de grandes entreprises qui polluent les ressources naturelles au Sud pour permettre d'avoir des prix euh, défiant toute concurrence aux consommateurs du Nord. Enfin, voilà. C est, c est, donc, ces échecs-là, je pense qu'il faut les reconnaître et se dire qu'il bah, va falloir qu'on procède autrement pour euh, faire cette transition euh, dont on a tous besoin. Ouais, J'aimerais bien qu'on qu approfondisse justement ce que vous venez de dire euh, en dernier, c'est-à-dire. Euh comment on va faire pour faire autrement, pour pouvoir accélérer cette transition, au sens où, comme vous aimez les datas, je vous en donner une autre, on observe depuis une cinquantaine d'années, en fait depuis, depuis 1972, qu'il y a à peu près deux fois moins d'accords multilatéraux environnementaux, et pourtant il y a sept fois plus de catastrophes climatiques. Pourquoi alors que tout nous indique que ça va de plus en plus mal on arrive de moins en moins à se mettre d'accord Qu'est-ce qu qui fait qu'on qu n'arrive qu pas à, à, à traduire en actes concrets euh, ce que tout le monde arrive à constater est ce que chaque, enfin, même à, à certains endroits, euh, chacun peut vivre dans sa chair alors là, vous abordez un sujet qui, par ailleurs, m'est cher parce que, parce que dans le cadre de mon ONG, on travaille évidemment beaucoup sur cette question, c'est la crise du multilatéralisme. Et ça vaut euh, pour ces questions-là. Euh, honnêtement, on peut considérer aujourd'hui qu'on n'a pas la, la gouvernance euh, mondiale adaptée pour s'attaquer ni à la question de l'urgence écologique, ni à d'autres sujets comme par exemple le numérique, le développement des technologies, etc. On n'a pas du tout euh, les organes adaptés. Euh, on n'a même pas, d'une certaine façon, les organes adaptés mondiaux, j'entends, pour s'attaquer à des sujets qui sont plus prévisibles, on va dire, comme les questions de santé mondiale. Euh, regardez euh, la vulnérabilité, toutes les difficultés euh, qu'a vécues et qu que continue à vivre euh, l'OMS, par exemple. Euh, alors, c'était, vous allez me dire, c'était sous l'ère Trump, mais quand même, je veux dire, quand vous avez un, un président des États-Unis qui, aussitôt que la, la pandémie Covid euh, éclate, claque la porte d'une institution comme l'OMS, qui est censée être vraiment l'Organisation mondiale de la santé la plus légitime sur le sujet pour coordonner les États. Non, enfin je veux dire, malheureusement, on a une crise de notre multilatéralisme, on a des attitudes non coopératives qui n'ont cessé de se multiplier euh, ces dernières décennies, qui sont, je pense, aussi liées à, euh, à une forme de repli sur soi et de montée du populisme à l'intérieur des États. Donc euh, c'est donc toute la difficulté. Alors évidemment, l'autre exemple à prendre, mais c'est toujours avec Trump, c'est euh, la sortie de l'accord de Paris, justement. Euh, donc là aussi... C'est difficile d'en parler en période de campagne présidentielle parce qu'on a le sentiment qu'on est tellement tourné vers l'intérieur. Mais euh, j'attendrai d'un président, d'un responsable politique euh, à la hauteur de la situation, qu'il euh, prenne à bras le corps devant son opinion publique aussi cette nécessité d'avoir des instances multilatérales qui fonctionnent, donc aussi euh, bah, de contribuer financièrement à leur fonctionnement, euh, de ne pas euh, chercher juste à en tirer euh, profit, euh, un profit euh, médiatique ou un profit d'opinion, et puis ensuite se retirer. C'est vraiment au long cours. Euh, voilà, et ça vaut encore une fois sur les questions de santé comme sur les questions écologiques. Et d'y associer un peu plus aussi les ONG. Euh... Et d'y associer euh, beaucoup plus les ONG, parce qu'en en fait aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est que les principaux euh, défenseurs, entre guillemets, enfin porteurs, ambassadeurs des objectifs du développement durable, euh, ce sont les ONG. Euh, je suis frappée de ça. C'est-à-dire que les institutions internationales qui connaissent parfaitement le vocabulaire et la grammaire des objectifs du développement durable euh, les défendent au quotidien, mais dans un jargon honnêtement parfois euh, totalement inaccessible au grand public. Euh, les, euh, les, les responsables politiques n'en parlent quasiment jamais. Il y avait une étude qui avait été faite, je crois, pour voir à quelle euh, fréquence les mots objectifs du développement durable revenaient, par exemple, dans les discours des présidents de la République française. Ils ne vivent quasiment jamais. Euh, donc, en fait, il n'y a plus que les ONG. Et quand j'étais chez Ipsos, parce que je suis passée euh, chez Ipsos, je me souviens que j'avais mené une enquête justement pour euh, savoir... Dans dans quelle mesure les, les opinions publiques en France comme ailleurs s'approprier la notion d'objectif du développement durable et euh, en fait euh, c'était genre euh, 45 des français n'en avaient jamais entendu parler et ce qui est étonnant c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens qui en avaient entendu parler en Afrique du Sud en Inde enfin euh, plus on est dans des pays mais bien sûr parce que plus on est dans des pays dans lesquels justement euh, on compte énormément sur euh, sur bah, ce qui se passe au niveau international sur la solidarité la cohésion internationale et plus on est Éveillé sur ces questions-là. Dans un pays comme le nôtre, on n'en entend jamais parler, donc on ne se les approprie pas, donc on ne s'approprie pas en particulier cette logique très vertueuse des objectifs du développement durable, qui est à la fois euh, l'imbrication, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont tous imbriqués, justement, Enfin, si on veut avancer sur la question de l'éducation, on ne le fera pas si on ne fait pas aussi la santé, si, etc. Euh, l'imbrication totale, le fait qu'il s'impose dans tous les pays du monde, ça aussi c'est une nouveauté. C'est pas simplement des objectifs pour les pays les plus pauvres. Non, nous aussi on a de quoi s'améliorer pour avoir un meilleur bien-être, etc. Euh, et puis, troisièmement, euh, le fait que ça vous donne finalement une matrice pour évaluer votre développement. Vous posez des questions sur euh, les mesures euh, qu'effectue votre euh, produit intérieur brut. Est-ce que c'est bien le PIB dont on a besoin aujourd'hui pour mesurer notre bien-être ou pas Enfin voilà, donc cette capacité d'évaluer dans quel sens vont nos sociétés, nos entreprises. Je referme cette parenthèse, mais en tout cas, très peu de Français savent ce que c'est. Ils ont vocation à le savoir beaucoup plus pour euh, finalement euh, à la fois être lucide sur ce qui ne va pas et avoir de l'espoir sur la capacité à aller mieux et à évaluer l'action de leurs gouvernants. Donc, euh, moi, je pense vraiment qu'il faut remettre ces sujets euh, au cœur de nos débats. Donc, avant de conclure, si euh, vous aviez une baguette magique, euh, qu'est-ce que vous aimeriez que le prochain gouvernement euh, fasse en matière d'objectifs du développement durable euh... Je pense vraiment, pardon, parce que je reviens un peu à mes, mes sujets de réflexion du moment, mais, euh, mais ce, ce rapport tellement injuste nord-sud, euh, je, je trouve vraiment que, vous savez, il y a une ONG qui s'appelle euh, Global Footprint Network, euh, qui, que vous connaissez, hein, qui estime... En gros, euh, chaque année, le jour du dépassement, c'est-à-dire à quel moment est-ce que, ça y est, la, la nature, la Terre a produit toutes les ressources euh, utiles à ce qu'on a produit et, euh, et, et qu'elle n'en a plus et que nous, on continue à produire. Donc on a dépassé la capacité de la nature à produire. Euh, eh bien, cette ONG-là, elle estime aussi une chose très intéressante, elle dit... En fait, notre mode de vie est absolument insoutenable à l'échelle de la planète. Et pour qu'il soit soutenable, il faudrait plus de planètes que l'unique que nous avons. Et en fait, elle dit, mais par contre, ça dépend des pays qu'on regarde. Si on prend le mode de vie américain, ce qu'il faudrait, c'est cinq planètes de plus. Si on prend le mode de vie français, ce qu'il faudrait, c'est trois planètes de plus. Euh, si on prend le mode de vie chinois, de mémoire, ce qu'il faudrait, c'est deux planètes de plus. Mais par contre, si on prend le mode de vie indien, c'est 0,6 planètes. Vous voyez ce que je veux dire oui, Donc, oui. en fait, euh, ce que je suis en train d'essayer, enfin, ce que démontre cette ONG de façon très, très euh, forte, c'est euh, l'injustice totale de cette question euh, et, et, et le fait qu'on n'a pas tous les mêmes modes de vie euh, et que, du coup, il faut remettre de la justice dans toutes les réponses qu'on apporte euh, sur la dimension écologique. Remettre de la justice à l'échelle internationale, ça veut dire, par exemple, faire en sorte, et ça pourrait être en effet une première loi, euh, que les multinationales qui euh, sont installées, euh, qui produisent dans les pays du Sud, eh bien, voient leur impact sur l'environnement euh, comptabilisé dans leurs coûts de production. Et des impôts appliqués sur cet impact sur l'environnement. Parce que c'est aussi ça qui va conduire à revoir son mode de production et à ne pas faire que de la RSE, mais à revoir fondamentalement son mode de production pour arrêter d'affaiblir et de vulnérabiliser plus encore des territoires qui sont finalement les plus lésés de la crise écologique qu'on traverse. Donc, moi, je dirais vraiment qu'on a besoin de penser à l'échelle du monde et qu'on a besoin de remédier aux inégalités, que ce soit à l'intérieur de nos sociétés ou entre le nord Nord et le sud. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem pour ce premier grand entretien des rencontres du développement durable. Dans quelques instants, dans une vingtaine de minutes, c'est mon collègue, le docteur Raphaël Gourada, qui... a ses 5 minutes. C'est mon collègue Raphaël Gourada qui animera une table ronde autour de la défense des générations futures. Donc, à très vite.